Épreuve ultime, mais peut-être la plus difficile que ce 5 km marche MeToo qui verra s'affronter l'Albanaise Zulma Graziula à la Française Julienne Cazard, fraîchement dégenrée pour l'occasion. Mais rappelons les règles. Et elles sont douloureuses. Oui, Patrick. Les deux candidates devront parcourir 5 km de lieu hostile en marchant sans jamais avoir recours à la course. Sinon, elles pourraient être disqualifiées. Surtout que marcher vite avec des talons, c'est pas facile. Autant essayer d'assommer sa belle-mère avec une figue molle. Alors que ça y est, nos deux athlètes entrent dans la première zone, le bloc des Tavuesh. Hey, mademoiselle, mademoiselle. Oh, tu réponds. Vas-y, on va pas te manger. Et pourquoi t'accélères comme ça? T'es pour de quoi? Hey, c'est juste pour discuter, vas-y. La Française entre dans le couloir des relous. Un endroit assez piège. Dis-donc, toi, ça te dérange pas d'exciter vos clébards? Couché sur le temps, c'est rien. C'est encore une grognasse qui met un parfum de tapin. Elle enchaîne avec la descente de la solitude. Bonne technique, le grillage musical, pour faire fuir les malvenants. C'est les cassos, ça, pas des gnous. Ils s'en battent les couilles, les gars. Hein. C'est possible, Patrick. Ah, on dirait qu'une concurrente a déjà morphé dans le quartier. Il semble que la Française essaye d'échapper à un danger. Ça vient de tous les côtés, la pression est au maximum. Non, non, pas le parking! Oh, c'est l'erreur de débutant! Le coup de panique classique. Hey, t'entends les bruits de talons? Et après, ça va se plaindre de se faire tripoter! L'Albanaise, quant à elle, attaque la montée du bois des pipes. Pas la peine de vous rappeler de quel bois sont faits les pipes, j'imagine, Gilles. En effet, Patrick. Hey, la rouquine, t'es chaude? La Française, elle, est bloquée dans le parking et perd du temps, on dirait. Y aurait pas une drôlesse qui cherche à taquiner le nanas, là? On pourrait lui faire faire un tour. Tu vas faire quoi avec cette pelle, ma jolie? Je vais pas me rouler une, putain. Tu prends les tickets resto? J'ai le champignon qui pousse au bout de la mousse, ça te branche? Elle est carrée où, ta camionnette? C'est bon, l'Albanaise est sortie du bois des pipes, mais du mauvais côté, et elle a pris du retard. Tandis que la Française sort enfin du parking pour attaquer à son tour la clairière du 69. Aucun rapport avec la ville de Lyon, bien sûr. Je ne crois pas, en effet. La nuit tombe et les raccourcis sont escarpés, mais les deux concurrentes sont proches de l'arrivée. Il faut encore terminer avec la rue des Cassos avant de pousser la porte de la victoire. Ah, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça. Non, je suis pas. C'est un sprint de tous les diables! Et c'est la Française qui gagne! Quel finish! C'est témoin 1, dehors, il n'y a que les toxicos et les fichiers à cette heure-ci. Eh oui, malheureusement, c'est la concurrente albanaise qui va y avoir droit. En attendant, bravo à la Française qui a tout donné.